Vous voyez, voici les premières tomates qui sont là. Waouh. Ah non, ça c'est bien ça. Ça ce sont, vous voyez déjà, voici les tomates sont là déjà. Les premières tomates sont déjà là. Voilà. Nous sommes à Toumodi. Direction le champ. Il n'y a pas de temps. On n'a pas le temps. Voilà. Donc, on va voir l'évolution de notre projet là. Le champ de tomates. Donc, on est en train de partir rapidement pour voir l'évolution du champ. Vous êtes sur Téléafrique. Je suis Dadou Henri Joël Zama. Téléafrique Group est une entreprise BTP, une entreprise immobilière. En quelque sorte, c'est un groupe. On fait la construction de logements, la vente de terrains. On fait aussi l'agriculture, l'éducation, la santé. Voilà, donc on a initié un projet agricole pour la culture de tomates. Et là, à chaque fois, on vous fait un peu l'évolution du site pour voir ce que ça va donner. Et puis par la suite, comment est-ce qu'on peut élargir ce projet-là. Donc là, nous sommes au champ à Toumodi. On est en train de partir sur le site. Je tourne rapidement la caméra là pour vous montrer un peu l'évolution du site. Ah ah, nous on est au champ hein, pour nourrir la population. Voilà, en brousse. Voilà, nous sommes dans le champ de tomates. Vous voyez, ça c'est la dernière partie à être désherbée. C'est la dernière partie aussi que nous avons semé. À un certain moment, on avait un problème d'eau. Par la grâce de Dieu, on a prié, il a plu. Donc, tout va très bien. Ça c'est la dernière partie à être cultivée, implantée. La première partie, vous allez voir tout de suite. Voici toutes les tomates qui ont commencé à faire des fleurs. Voilà. Donc, ça, ce sont des piquets pour commencer à attacher parce que quand ça va commencer à produire les fruits, là, je ne veux pas que ça tombe. Et tout ça, tout commence à fleurir. Voilà. En tout cas, c'est un projet prometteur. Voilà. Ça, c'est les premières rangées, là. Vous voyez que déjà, ils ont déjà mis des cordeaux avec des piquets pour pouvoir supporter le poids des tomates. Vous voyez tout ça. Donc ça, c'est la première partie. Ça, ce sont les premiers plants là que nous avons mis en terre. Donc, tout est en train de fleurir. Voilà. Tout est en train de fleurir. Ouais. Ça c'est demi hectare, c'était un demi hectare de tomates. C'était un hectare divisé en deux pour faire demi hectare de tomates et demi hectare de concombres. Mais pour le problème d'eau, on a préféré se concentrer d'abord sur la tomate parce que pour la main d'œuvre c'est un peu compliqué de trouver les manœuvres pour venir désherber les femmes, les coopératives. Donc on s'est concentré sur la tomate et puis le résultat est là. Par la grâce de Dieu, tout va très bien. Voilà, ce sont les plants de tomates là que vous voyez là. Tout est en train de fleurir. Comme je vous le disais, pour tous ceux qui ont les projets agricoles là, actuellement pour avoir des terrains agricoles, c'est très très compliqué. Voilà, quand on dit compliqué, ça dit les gens veulent... sont assis, ils pensent qu'on peut acheter les terrains là comme avant, c'est compliqué. Les terrains agricoles là, c'est plusieurs hectares. Donc, plusieurs hectares, ça veut dire qu'il y a plusieurs propriétés. Vous, le gars peut vous vendre, il n'y a pas de document sur le terrain, c'est juste un papier que vous allez signer avec celui qui vous cède la parcelle, c'est le chef. Et ça ne garantit rien. Vous commencez votre projet, vous mettez des millions. Et puis après, un autre membre de la famille va venir bloquer. Donc, c'est mieux de faire des partenariats avec les familles. Oh, vous êtes au bord là-bas. Mais ça a changé. Hein? Oui. Ça là, c'est des tomates même déjà.
Ouais. Waouh. C'est l'eau là qui nous a retardé. Sinon, tout le coin allait être comme ça. Voilà, donc c'est un peu comme ça.